Oh, une cinématique! Putain, il avait un jeu Switch. Super Pyro, le jeu vidéo génial! WarioWare Incorporation. Ça y est, il est terminé? On s'est tous donné du mal, hein? Oh yeah! Montre-nous ça vite! Admirez la bête! Hein, quoi? Pourquoi ça marche pas? Alors, je sais plus qui est la voix française de Wario. J'avais complètement oublié qu'il y a eu du doublage français. Comme de WarioWare Gold, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, bienvenue pour cette découverte de WarioWare. Peut-être un let's play, je sais pas. On verra bien. Et Frédéric Soutrel, merci. Il est assez connu, en plus, il me semble. Je connais pas encore. Je connais pas trop le nom des comédiens de doublage, en vrai. Mais Frédéric Soutrel, c'est un nom que... Donc j'entends pas mal en fait. Enfin bref, voilà, le dernier de la série. Alors, bah, grosso modo, j'ai joué à WarioWare. J'ai surtout joué à WarioWare sur Game Boy Advance et GameCube. Ainsi que l'épisode DS. J'ai également les opus Wii et 3DS. Mais j'ai pas tant joué que ça à cela. Ah, attends, il y a un problème avec le câble là par contre. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez, c'est parti, on lance. D'ailleurs, chose importante à noter, parce que le jeu est sorti en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Le jeu est toujours en 1.0.0. C'est très rare pour le... C'est très rare pour le notifier, quand même. Parce que, clairement, des jeux qui sortent de nos jours et qui sont encore en 1.0.0, on n'en voit clairement pas souvent. Hein. Ah, où est-ce qu'on est là? Comment je suis arrivé ici? Et où sont les toilettes? Ah, laissez tomber. On se remue et on y va. Alors du coup, le but de WarioWare, c'est évidemment qu'il y ait tout plein de mini-jeux qu'on fait à la volée, donc qui changent un peu toutes les 5 secondes environ. Mais ici, c'est chaque personnage qui aura son gameplay, du moins de ce que j'ai compris dans la démo. Pas étonnant que je me sente si léger, je flotte dans les airs. C'est parce que je suis dans le jeu. Ah, on s'en fiche, je vole, c'est le principal. Le créateur de jeux vidéo adore les trésors, l'argent et l'ail. Surtout l'argent, tout devrait bien se passer, non? En fait, les WarioWare aussi sont bien réputés pour avoir un jeu, mais alors tellement absurde. Tellement débile dans son univers, mais c'est ça qui est cool en vrai. C'est ça qui est cool dans ce jeu. Ah voilà, là, on apprend à utiliser Wario. Voilà. Et ouais, donc chaque personnage aura son gameplay. Quoi. Là, c'est vraiment en fait, on contrôle pas le jeu, on contrôle le joueur qui va contrôler le jeu. Moi, je trouve l'idée assez drôle, en vrai. Tiens, ce serait pas... Mais si, c'est mon niveau, le niveau que j'ai créé. Ah merde, et mon micro, il est super loin, là, encore, attends. Désolé, le bruit. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein ? Ah ! Ce machin abîme tout ce qui touche.
Oh, mais ça va pas du tout, il va abîmer mon niveau. Hey, stop. Oh, cinématique. Quand je dis que quand je dis que l'univers il est débile, hein. Non mais. Aïe 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 aïe. Incroyable Wario. Allez c'est parti. Hey, on a un bon 60 FPS là du coup. Ok. Donc voilà la fameuse succession de mini-jeux là dont j'ai parlé. Alors j'espère que ça va pas trop gêner. Ouais c'est bon ouais. Mais le... Putain mais hey, les voix françaises c'est quand même cool hein. On a l'habitude tu sais des voix à la Charles Martinet. Voilà. Ah Wario te voilà. Ah Young Cricket. Sa voix me dit un truc. Attends c'est de... je crois que c'est Donald Renew lui non. Il me semble avoir vu que c'était Donald Renew lui. Le disciple des arts martiaux s'entraîne fidèlement avec Master Mantis. Ouais, c'est Donald Renew. Il raffole des boulettes de vent. Là. Ah, lui, c'est platformer. Voilà, donc l'apprentissage des personnages. Hein. Et voilà votre rappeur préféré, 18 volts à votre service. Et regardez le disque dans mes cheveux. Je peux le lancer à volonté. Et j'ai même plus besoin de bouger en fait. 18 volts. Cet adulte, cet élève de primaire à taille adulte exerce en rap et en jeu rétro. Son partenaire préféré est son copain 9 volts. Ah oui, du coup, il bouge pas, il fait du bim boum boum là. Ouais, j'ai compris. On peut. Oh, on peut s'accrocher. D'accord. Eh, hey, rigolo en vrai. Hein. Allez, ensemble, réunions-nous pour nous sortir de là. Ah oui, non, mais c'est complètement lui, là. Oui. Je crois que c'est ça. Hein. Ok. Et par contre, le changement de gameplay, il va me perturber de fou en vrai. À l'aise. Eh mais les dessins quoi. Eh vraiment les t'as mais alors, bon en fait graphiquement c'est très atypique en vrai hein, on peut pas c'est pas enfin en fait en vrai si je trouve le jeu très beau mais en fait c'est très spécial en fait c'est je saurais pas comment expliquer hein. Éliminé. Oh merde. Oups. Ok.
Ok, je sais comment ça fonctionne maintenant, let's go. Putain, mais regardez l'ambiance, quoi, c'est n'importe quoi. Ok, faut que je prenne mon temps en fait. Éliminé. Allez là, on attend tranquille. Ok. Ok, deux fois. Oh, il est pas content là. Ok, je l'ai eu. Ah là, c'était pas dur. Ah, le nez des trésors. Ah, c'est pas mal là pour commencer. Ah, tu croyais que tu allais m'échapper, hein? Ouah, les zones de corruption, elles disparaissent toutes. À mon avis, ce truc, c'était un bug. Ça peut complètement détraquer un jeu. Je vois. Si on supprime les bugs... Oula, tout pourrait redevenir normal. Ok. Ok, oui, pourquoi pas. Allons casser du bug. Nice. Salut Linchon. Donc le niveau 2. Le quatrième mur, on a peu... ouais c'est un peu ça. Vous avez débloqué ça, la Wariopédie. Oui, mission, personnage, et bah voyons ça. Alors, Wariopédie, un ou deux joueurs. Ah, c'est tous les mini-jeux à débloquer. Attends, j'ai bien... ouais, j'ai bien paramétré la manette. C'est froid, c'est fait, mais aïe, ça fait mal, je suis un peu... merde. Et je sais pas s'il faut... je sais pas s'il y a un truc où il faut faire le plus possible, bref. Alors sans les persos... ok, test des commandes... ok, donc il y a déjà les stats, ouais, là on voit les stats, ouais, là on voit les statistiques et tout... et les missions... oh, il y a tellement... ouah, il y a tellement de trucs là. Ouais, pour l'instant c'est cool. Allô? 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 Bon bref. On va continuer. Alors, ah, on a notre chère Mona et ses toilettes, bien évidemment. Ah, je me dis qu'on aura encore trois personnages là. Si c'est pas malheureux de voir ça. Eh oh, salut tout le monde. Merci, Dylan. Je sais pas si je ferai le 100% en stream en vrai. Ah, mon scooter refuse de s'arrêter. Cette lycéenne est très prise par ses animaux, les études et le travail. Nul ne sait pourquoi, mais elle admire Wario. Ça a tellement glow up en vrai. Enfin, un peu glow up en vrai. Hein, bon, elle a son scooter et tout. Enfin, quoique, elle l'avait déjà de base, je crois. Quoi, ça fait un moment qu'elle l'a en fait, son scooter. Alors, je crois que, ouais, elle peut pas s'arrêter. Ah, attends, on peut. Ah! Ok, on peut diriger le boomerang comme ça. Très bien. Ok, c'est cool. Continuons, nous n'avons pas le temps de traîner.
Mon niveau est totalement corrompu. Ce sont les bugs qui ont fait ça. Ah, mais c'est inadmissible. Allons-y. C'est un peu lent le texte. Alors là, je dois choisir des personnages. Et on va prendre Wario et Young Cricket du coup. C'est parti. Ah, petite intro. Ah, pareil, la voix de Mona, elle me dit un truc en vrai. Ah, ça c'était... Ouais. Hey, il y a la tête d'ail là aux moustaches qui sort de Rhythmiven, je crois. Ou Rhythm Paradise, je crois que c'est plus. Non, Rhythmiven c'est en. C'est le nom US. Et c'est Rhythm Paradise en Europe, je crois. Ah, les animaux, hein. C'est parti. Échappez-vous. Ouais. Après, je connais pas toutes les références en vrai. Et là, vu que c'est une cinématique, j'ai. On va dire, j'ai pas trop. Quoi? Putain, des fois, les mini-jeux, faut y comprendre. Évitez l'aspiration. Ok, très bien. Réglez-leur. Putain, mais le temps. Faut vraiment que je fasse attention. Ouais, là on contrôle. Cachez-vous. Young Renew. Non mais. Ok. Vraiment, hein, le temps que je comprenne les mini-jeux, hein. Ok. C'est plié. Je suis prête. Mona. Ouvrez-le. Prends ça. Pourquoi pas. Faites le ménage. Ok. Watch out. La musique, ça passe bien en vrai. Pardon! Mais pardon! Allez, on fonce! Retirez le bouchon! Ok, c'est comme ça. Je m'en charge. En vrai, avec toutes les différences de gameplay qu'il y a et tout. Avec toutes les différences de gameplay qu'il y a et tout, c'est super perturbant. Mais... Nom d'un groin! Ah bah, game over, ça y est. Bon, on va recommencer. C'est parti. Sonnez. Voilà, fallait sonner deux fois. Super. Échappez-vous. Et... Allez. J'ai réussi. Woucha. Réglez l'heure. Tac. Tac. Voilà. Donc là, voilà. Là, j'ai compris. Regardez-les. Ok. Ça est vraiment le temps que ça monte au cerveau. Ok. Allez, plus vite. Ah bon, là, celui-là, je l'ai fait, c'est bon. Je m'en charge. Rincez.
T'as tu rinces, tu sautes dans l'eau, let's go quoi. Évitez l'écrasement. Bon allez, celui-là je l'ai fait aussi. Juste à rester là. Ah là! Parfait. Non. J'y crois pas. Merde! Attends, elle a fait un tut-tut là. Ah bah c'est sûr que ça va bien mieux avec un boomerang. Hein. Eh, hey, c'est le calendrier là qui fait office de. Non! Non, non, non! Je relève le défi! Alors. Terminez le colis! Ok, c'est ça. Wouah! Ah ouais, je viens de comprendre. Ok, j'ai compris. Oh, ça le prit! Allez, allez, allez! Encore un là? Ouh! Bon, là c'est bon. Ok, parfait. Ça, c'est simple. Ah bah ouais, Mona, livreuse Amazon à ses heures perdues aussi, hein. C'est pas mal. Tu sais, les mini-jeux de vie quotidienne, j'aime bien en vrai. C'est nettement mieux comme ça. On a fait du bon travail. Yes, Mona. Alors. Oh, on a plein de trucs là, let's go. Oh, alors là. Le moment que j'attends le plus, hein, évidemment. C'est toujours le niveau que j'attends le plus. Quel que soit le WarioWare, c'est ça que je veux. Ça c'est. Ouais, c'est. Ça c'est science-fiction, toujours technologie. Ok. Bah c'est parti pour Nintendo. Haha, c'est presque amusant à force. Franchement, 18 vols, tu pourrais pas marcher tout seul. Wow, au secours! Ah oui, non, mais évidemment, on se croit à chaque WarioWare. Hein? 9 volts? Mon skateboard! Il refuse de s'arrêter! 9 volts! Cet élève de primaire qui file en skateboard et un naze du yo-yo, un DJ reconnu et un fan de jeux Nintendo. Comme tous ceux qui jouent à WarioWare, je pense. Ah, il va pas s'arrêter non plus? Ok. Ok, il peut pas s'arrêter non plus. Pas sûr que ce soit un gameplay qui va m'intéresser en vrai. Faut voir. Ça c'est du jeu. Mon skate est carrément passé au niveau supérieur. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mon niveau? Il est tout cassé. Pire perso, à voir.
à fond, des bugs grignotent le jeu de partout. Okay. Excusez-moi. Ok, on va leur donner une leçon alors. Je sens qu'on va s'amuser. Alors allez, on va jouer un petit peu RP. C'est parti. On essaie de varier quand même. Oh, alors. Ça c'est la maman. C'est qui la fille? Bonne nuit. Super genre réalité augmentée. Oh attends, je pense savoir ce qui va se passer. Ah elle a parlé dans WarioWare Call, je m'en souvenais plus. Et c'est pas une rêve ça au WarioWare là sur Wii U? Comment il s'appelle le Wario sur Wii U? J'ai oublié. C'était un stage aussi dans Smash Bros. Game & Wario, voilà, merci. J'avais joué à ce jeu. Celui-là je le possède pas en revanche, le Game & Wario. Ok d'accord, fallait que je comprenne ça. Donc là c'est yo-yo. Allez Splatoon 2. Ah ouais, quand t'as ce point là, putain. Surtout qu'apparemment le jeu il est pas ouf de mémoire. Enfin d'après les retours il est pas ouf le jeu, donc je sais pas. Éliminer les intrus. Ah bah oui, le petit son de la GameCube. Super Metroid ça. Attrapez la pièce. Ok, pour l'instant c'est simple en vrai, mais bah, les rêves sont efficaces. Oh. Hey, Breath of the Wild, incroyable. Dommage. Putain, il était dur celui-là avec Mona. Hein. Eh, hey, c'est pas le jeu sur 3DS ça? Avec le lapin là? Tut tut! Ça me tue en vrai. Nintendo Badge Arcade. D'accord. Eh, hey, y'a tout en vrai. Y'a pas mal de jeux Switch quand même. Oh, comment il s'appelle ce jeu? J'ai oublié. C'est pas un jeu qui s'appelle Demon? Démon quelque chose là? Oh non mais il y a trop de refs là par contre. Ah, c'est parti pour Mario Maker là. Voilà. Ok. Ah. Non. Fallait se retourner, ok. Ok, aise. Devil World, merci. Ah putain, Mario World, ça fait plaisir.
Ça va vite l'avancement du jeu en vrai. Hein. Et hey, c'est ce qu'on appelle un chaos. Voilà. Allez, le petit science-fiction là. Ah, regardez-moi ça. Toute cette corruption, c'est affreux. Ah, moi, je trouverais presque que ça en jette, finalement. Ah! Oh non, alors, c'est dégoûtant. Ah! Justement, on te cherchait. Attends, ils sont deux! Dribble et Split. Ce duo de chauffeurs de taxi est prêt à faire une course à l'autre bout de la galaxie pour un prix toujours raisonnable. Ah, Split, c'est un J2. Ah, mais du coup, comment je fais si je suis en J1, là? Ok. On a exploré les environs, c'est un peu partout le même chaos qu'ici. On dirait bien que les bugs ont corrompu tout le jeu. Et ben, il ne reste plus qu'à éliminer ces bugs alors. En route! Ouais, c'est vraiment Dribble et Split. En vrai, j'aime bien. Oh, je reprends les deux là. J'essaierai de varier un petit peu, je pense. Taxi intergalactique de Dribble et Split. Ouais, c'est parti. Ah ! La musique ! Ah, cette... T'as mais ces Américains, quoi. C'est cette musique, quoi. On y va. Tournez les ailes. Ok, il y a un gros truc, là, en fond. C'est des gâteaux. C'est toujours un plaisir. Blarco, blarco. Trier. Alors. Ah. Ok. C'est quoi ce truc? Non mais sérieusement, la statue quoi, épiler une statue. Fermé. Ah oui. Yes. Je pensais qu'il fallait fermer le cercueil. Éliminez-le. Super. Chauffeur. Allez, plein gaz. Plein gaz. Capturez-le. Non. Merde. Ça c'est... Tu sais, vraiment les... Vraiment les musiques. Et ça, c'est le cauchemar. Il y a vraiment beaucoup de variété, je trouve, dans les thèmes des mini-jeux. J'aime bien. Je trouve qu'ils sont toujours bien créatifs, c'est cool. Il y a toujours un bon travail créatif. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Allez, plus vite, plus vite! Plus vite, plus vite! Catapulté. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. Okay. Mettez-vous à l'abri. Wow! C'était quoi ça? Non! Non! Oh putain! C'est pas passé loin. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est là? Protégez-le.
Vraiment là? Allez, 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 allez! Sauvez-le! Sans deck, là! Voilà! Incroyable! Ah, c'est dommage qu'on peut pas jouer split du coup en étant de l'autre côté en vrai. Eh hé, on a bien fait le ménage! Alors. Bah allez, Docteur Krigor. Ou Krygor? Flap, 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 regardez, j'avance avec mes palmes. Eh oh, Docteur Krigor. Nom d'une pipette. Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur Krigor, par ici. Mon niveau n'avait pas du tout cette apparence, que je sache. Eh, Krigor! Oh, vous êtes ici, vous aussi, splendide. Alors, Docteur Krigor, qu'est-ce qu'il fait? Docteur Krigor. Ah, oui, donc ils disent bien Docteur Krigor en français. Cet inventeur et savant était un génie qui a réussi à se transformer lui-même en cyborg. Maintenant, pour que Krigor nage dans les airs. Ok. Oh, ça a l'air trop bizarre. Alors. Ça a l'air trop bizarre. C'est ma partie du jeu, mais il y a quelque chose d'anormal. Seriez-vous quoi? Oui. Des bugs ont tout envahi. Ce sont eux qui causent ces perturbations. Des bugs? Mais c'est formidable! Je pourrais les étudier dans mon laboratoire. Hop, oui, oui, oui. Hein? Je crois qu'il est perturbé lui aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors. Ouais. Allez, c'est parti. Allons-y. Usine ultra secrète du Docteur Krigor. Et ce mix 2D 3D, il est perturbant. Hein. Ah, c'est Mike. Et il n'y a pas de micro là-dedans. Hein. Wouah! Putain, c'est quelque chose ça. Robo Fayo, échec du test. Aïe! Observez. Ouais. Embarqué. Ok. Tout simplement. Ouais. Putain. Là, je pensais qu'il fallait tirer dessus, mais... Ça, c'est un truc qui était dans la démo, je crois. Évitez la mise à nu.
Ah, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Je suis prête. Soyez sur la photo. Ouais, la petite photo. Alors. Voilà. Tut tut. Merde. Ok. Alors j'ai pas compris mais ok, j'ai pas du tout compris celui-là. Ouais. Ok. Tut tut, on accélère. Oh. Ok, c'est tout fait. Tournez la clé. Oh putain. Eh, j'ai du mal hein. Nous y voilà. Attrapé. Comment on attrape? Ok. Ok, j'ai compris. Vous avez vraiment un téléphone là? Alors le sushi au dentifrice. J'espère que vous aussi vous mettez du dentifrice sur vos sushis hein. Je sais pas quel goût ça a, mais bon. Oh, on avance bien. On avance très bien. Ah, vous avez vu quel génie je suis. Là, c'est vraiment une petite succession de mini-jeux. Allez, il y a des nouveaux trucs là. Nouveau. Remix. Alors juste voir là s'il y a de nouveaux trucs. Non. On va continuer. Alors remix, j'imagine que ça va être un pêle-mêle là de tout ce qu'on a eu sur les derniers niveaux. Ah ah, wagonnet de mine. Ouais, on devrait pouvoir avancer avec. On devrait pouvoir avancer pas mal avec ça. Oh. Oh Mike. Da dida, l'acoustique ici est parfaite pour du karaoké. Oh Mike. Mike. Ce robot de karaoké créé par le docteur Krigor adore chanter. Mais son public est quelque peu réticent à l'écouter. Ok. Il fait pas un peu doublon avec 9 volts en fait. En fait j'ai l'impression que c'est 9 volts en mieux. Oh mais c'est Mike, allez viens avec nous. Oui, d'accord, si vous assistez. Je suppose que ma carrière en solo s'arrête ici. Ok, on va prendre Dr. Krigor. Et on va reprendre 9 volts. C'est parti. C'est parti. Bref. Mais quoi? Mais je suis censé faire quoi là? J'ai pas compris le deuxième mini-jeu hein.
Bon. Ok. Ok, là c'est bon. Allez, go, go, go! Non! Punaise, hey, c'est flippant des fois. Ok. Voilà. Bon, j'ai un peu fail au début, maintenant ça va. Aïe 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 aïe. Ok. Ça va être le boss là bientôt. Ouais. Oh là là. Sérieux. Oh non, on recommence. Allez. Sérieux? Non mais je suis trop lent, putain. Le jeu dit coller, toi tu fais des cartes. Quel jeu? J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié le jeu en vrai. En même temps, je me facilite pas la tâche avec 9 volts. Ok. Allez, ça commence à passer là. Ah bah là j'ai réussi, ouais d'accord. Ouais. Ouah, ça c'était trop dur. Devil's World là. Non mais non mais oh oh j'ai réussi. Putain. Quoi? Putain, mais c'est Mario Maker le machin en fait. C'est Super Mario Maker en fait. Hein. Ok. Oui.
Pardon. Et ta critique. Je refuse cette perte. Ok. Putain, mais ça c'est trop un truc à faire avec Young Renew là. Je crois qu'en fait je me suis fait surprendre par la. Ça se trouve, en fait, je me suis fait surprendre par la vitesse, ouais. Je suis bien plus qu'un robot karaoké. Parfait. Nous avons survécu. Tous en cœur. C'est l'occasion de chanter tous en cœur. Ah, c'est Mike. Il est rigolo, Mike. Ok, du coup, là, on a fini le premier monde. Bah, c'est bien. Oh, pardon, le bruit. Ah, Katéana. Il y a toujours rien qui s'est passé. Ça sert à quoi, en fait, là, les pièces? On verra plus tard, j'imagine. Mais ouais, je me demande à quoi ça sert, là, les pièces. Je verrai plus tard, j'imagine. Au boulot. Ya! Ah, on vous a retrouvés! Dites-moi, pourquoi sautez-vous sans arrêt? Vous me donnez mal au cou. On ne peut pas s'arrêter, nos jambes, elles sautent toutes seules. Hé hé, c'est notre super pouvoir de ninja. Katana. Ces jumelles vont à l'école maternelle, mais ce sont déjà des ninjas. Kat est un rien plus âgé que Anna. J'ai toujours trouvé cool ça dans WarioWare en vrai. Les petites ninjas là. Alors détruisez. En plus, elle lance des shurikens. Alors j'imagine que Anna c'est le J2. Hé hé, vous savez quoi? Il y a un truc bizarre qui a sauté dans notre niveau. Vous pouvez nous aider à en venir à bout si vous n'avez pas trop peur. Alors moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les personnes de maternelle parlent comme ça? Je ne sais pas. Oh, 4! Il faut en choisir 4. Ok, ça va devenir plus dur. Monotomie les bains. Ouais, non, mais d'accord. Je considère les minima maternels comme des personnes. Direct. C'est le Japon! Ce sont des maternelles, hein, on précise! Ah là là. Ah bah les voilà les toilettes. Ah, donc ça c'est nature hein, je crois.
Allez. Là, t'as la tronche et le pouce, quoi. D'accord, j'ai... Ok. Oh, le lapin, quoi. Il y a trop de lapins, là, dans ce jeu. D'accord, fallait le prendre, très bien. Non. Ah putain, c'est dur. Salut Omega Gamer, bah c'est du Wari. Oui. Qui n'était pas là? Lui? Ouais, c'est ça. Bah c'est du WarioWare, c'est sympa en vrai. Ça fait ce que j'attends d'avoir WarioWare en fait. C'est... J'ai pas grand chose à dire en fait. Ah! Alors. Ouais, d'accord. D'accord. Allez, 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 allez. Oh, le boss! Ah, d'accord, Kat. Oui, il faut mémoriser quoi? Alors, un lion, un tigre, j'imagine, un crocodile. Alors, lion, tigre, crocodile. J'ai oublié ce que c'était ces trucs. Deux piaf. Qui mangeait? C'est le lion. Non! 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 Les flamants roses, merci. Mais putain, mais comment j'aurais pu savoir que ça allait changer? Alors des gorilles! Oh, wow, voilà, y a un troupeau là. Deux zèbres. Première question. Qui sautait? Quoi? Toi. Ouais, c'est ça. Ça sautait. Bon. Deuxième question. Qui n'était pas là? Les flamants roses. Les lions se sont reproduits. Et en 2 minutes, ils se sont reproduits. Hein. C'est parti. Hein. Troisième question. Voilà. Ah, sympa. Et c'était chaud, putain. Dieu, allez, Dieu Shuriken, voilà. On a réussi. Mission accomplie. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 3 mondes là d'un coup. Ah non. Oh, où il y a du bon là. Comment il s'appelle ça pour 4 animaux? Le sport, ah, il y a la culture. Oh putain, il y a Ashley. Il y a Ashley. Je veux Ashley. Et Ashley, c'est la bouffe en plus. Cet endroit-ci me semble particulièrement touché par la corruption. Ah ah, Ashley, j'aurais dû savoir qu'on allait te trouver ici. Dire que pour une fois, je m'amusais presque.
Cette apprentie sorcière n'aime pas les émotions ni les trucs mignons. Elle aime la nourriture, la magie et un peu raide. Ah ouais, elle a un son tellement blasé en fait. Oh putain, elle va être cool en vrai. Attends. Il est temps de trucider du bug. Toi, tu viens avec nous. Et pourquoi? Parce que je l'ai décidé, voilà. Et aussi parce qu'on a besoin de toi. Ben voyons, évidemment. Oh, elle fait les grosses joues, limite. Ça, c'est limite, elle faisait les grosses joues, en vrai. J'y vais. Je suis prête. On a pas déjà pris Mona, en vrai. C'est toujours un plaisir. Oh si, Mona. C'est parti. C'est parti. Alors, quelle est sa cinématique? Manoir d'Ashley. Ashley. Ah, c'est lui, Red. Oups. Mais elles sont incroyables les cinématiques en vrai. Allez, c'est parti. Oh, des donuts. Mangez tout. Oh, elle fait trop la fière quand elle a réussi un mini-jeu. Ok. Chauffe Marcel. Ok. Non, là, non. Le pied au plancher. Mixez tout. Ah, dommage. J'ai pris le temps à comprendre le mini-jeu. T'en passes quand même de 4... Ah ouais, les fameuses frites au ketchup, là. Faites-les tomber. Ok. Bah. Pomme de terre. Ouais, d'accord, on s'assoit. Oui, pizza. Mais coup. Bon allez, y'a le boss. Faut faire quoi? Presser du jus. Ne gaspillez pas. Ok. Yeah.
Ah ouais, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Putain, il est intelligent ce jeu. Ça demande tellement de gérer des trucs là. Une victoire, je suis contente. Ok, Ashley se joint à vous. Ça fait une heure que je stream, j'ai l'impression que ça fait longtemps en vrai. J'ai l'impression d'avoir fait tellement de trucs là. C'était quoi ce bruit bizarre? Aïe aïe aïe, j'ai peur! Ah, Orbulon! Ah, espèce de dingue! Qu'est-ce que tu fabriques? Oups, désolé! Orbulon! Cet extraterrestre dit qu'un jour il envahira la Terre et ça prend notre culture pour s'y préparer! Ok. Alors. Aspirer tout. Oh bah ouais. C'est pratique. Mon rayon tracteur, il n'arrive pas à enlever ces traces bizarres. Ça ne disparaîtra pas comme ça. On doit d'abord éliminer les vilains bugs. Dans ce cas, Orbulon va chasser ses envahisseurs avec style. Ah, j'ai trop envie de jouer avec Ashley du coup. On va reprendre une cricket. Et Wario. Et... Wario Soutrel et Young Renew. Ah ouais! Les offres. C'est parti. Jouez au bon moment. C'était ça visiblement, ok. J'ai pris un moment pour comprendre. Basculer. Je suis prêt. Ah, c'est vraiment un truc autour du monde. Ok. Ah putain, je viens de comprendre. Fallait casser les blocs. Ok. Oh. Ok. Putain, j'ai eu le réflexe en vrai. Hein. Mais putain, mais j'ai pas le temps.
Ok. On s'accroche. Et encore une fois, là, faut... Wow. Comment tu fais? Mettez en lumière. Ok. Je suis prêt. Ouais, c'est le boss. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouais. Ok. Ah! D'accord. Et du coup, ça veut dire que je peux dégager un truc comme ça, là. À traverser, bah j'avoue, je me demande aussi en vrai. Je testerai. Mais là, je vais pas tester parce qu'il me reste qu'une vie. Hein. Ok. Ouais, voilà un beau pas en avant pour mon invasion de la Terre. Alors, je vais essayer mini-jeu en vrai. Parce que j'avoue, là, je suis trop curieux en fait. Eh, mais j'ai bientôt fini en fait. Alors voyons. Je peux pas passer la cinématique, putain. Je peux pas passer la cinématique. Laissez passer. Ok. Ah, maintenant il y a les avions, d'accord. Enfin, des sortes d'aéroglisseurs. Ok. Sont les voitures là? Ah, vas-y, go! ça vole, mais comme un ballon en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait tout sombre, c'est déprimant. Je dirais plutôt que c'est effrayant. Ah, le docteur Krigor a peur du noir. Voyons, mon intelligence est trop supérieure pour de
telle peur irrationnelle? Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Ah, il y a Jimmy. Le fameux mec branché des années 90. C'est du propre. Je le savais, intelligence supérieure. Pff, c'est du propre. Oh yeah! Oh yeah! Jimmy T! Jimmy T! Sur la piste de danse ou la salle de sport, ce roi de la disco a le rythme dans la peau. Oh man, c'est cool! Attaque de la direction, il a cligné. Du coup, il bouge pas et je suis obligé de faire ça, d'accord. Ok. Oh, ma belle piste de danse. Eh, tu sais, on peut la réparer, mais pour ça, il faut qu'on élimine les bugs. Ouais, c'est bon ça. Les bugs n'ont aucune chance face à mes pas de danse. Alors, ouais, on va prendre les sportifs là. Ah, il en faut un autre. Voyons. Petit retour de Mike là. Le show va commencer. C'est qui elle? Ah oui, c'est la famille de Jimmy T. Ah, cricket Young Renew là qui se met au sport. Oh yeah. Le club des muscles. C'est n'importe quoi. Ah vas-y, Young Renew là. Non mais c'est... Alors... J'ai eu peur. Processeur activé. Gonflé. Y'a la mime. Y'a la mime. Y'a la mime. Ouf. Succès. Watch out. Marquez un but. Hey. Ok, c'est passé. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. C'est parti. Accélération en cours. Défendez. Ouais. Puis trop fort. Mon charge. Gardez en l'air. Allez, Young Renew, là. Voilà. Ah merde, ça j'ai pas compris. Remontez la prise. Ah, y a vraiment des jeux, je les comprends pas du premier coup d'œil. Hein. Faites-le frapper. Touchez la cible. Ok. En vrai, j'étais assez méfiant vis-à-vis de la démo. Que tient-il ? Je savais pas. Hein. Mais en vrai, non, c'est... Je trouve ça fun, moi. Le jeu a l'air vraiment fun, hein, pour le coup. Hein. Mais comme dit, il va dans la lignée des WarioWare, hein, tout simplement. C'est du sérieux.
Allez, le boss. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Escalader. Hein? C'est quoi cette merde? Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Oh là là! Quelle performance! Yo! Ah, c'était tellement cool! J'ai même pas escaladé un mur. Je l'ai fait à l'envers, non mais c'est ça. Ah non, mais c'est horrible en vrai, hein. Ne faites pas ça chez vous. Remix 2.0. Il y a encore un nouveau perso en vrai? Encore un wagonnet, c'est moi qui conduis. Il y a quelque chose dedans. Je sens pas trop. Laissons tomber ce wagonnet. Ah, oh, c'est la mer. C'est la madré. Oh, 9 vols, voyons. Oh, maman. C'est inacceptable. Tu ne pars pas tout seul comme ça. Ce n'est pas prudent. Oh, ces accès de colère, ça me donne toujours envie de dormir. Bah, il lui arrive quoi à ta mère et à ton autre mère? Je crois que quand... Je crois qu'elle sort de son corps quand elle rêve. Oh, c'est classe, y a pas à dire. Mais ta mère fait un peu peur, man. La maman de 9 volts est douce et gentille, mais quand elle se fâche, elle se met littéralement hors d'elle de colère. Alors, c'est quoi son gameplay? 5 volts se téléporte là où se trouve son esprit et génère une puissante onde de choc. Faut pas se téléporter partout. Alors... Ça a l'air drôle. Ah, ok. Allons-y à fond, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, c'est perdu de temps. Allez, on va prendre la famille, là. Et Wario, tiens. Ok. Ok, ça c'est fait. Retenez la glace. Allez, ça se passe bien pour l'instant. Ok. Hey, mais les mini-jeux ils sont super simples avec eux en fait. Dommage. Mettez le même masque.
Ok, celui-là, je me fais pas avoir deux fois. Oh, il y a une musique de Arms en vrai. Ok. Ça va pour donner radis. Ok. Alors là. Voilà. Allez, ça avance bien là. Oh là là là, putain, l'avion de papier, je faillis pas le voir. Ok. Oh, c'était quoi ça? Protéger le dessert. Les tronches quoi. Faites le s'enrouler. Ok. Ah ça y est, c'est le boss. Oh putain, oh la vache, t'as sa queue. Ok. Merde! Non! Oh là 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 là! Putain, il est chaud avec 5 volts! Putain, mais vraiment, c'est ouf à quel point! Mais l'appréhension du mini-jeu change par rapport au perso, quoi! Et il est vraiment pas simple hein, ce jeu, je trouve. Nous sommes bien amusés. Allez. Ça sent le niveau final là, du coup. Ouais, c'est le niveau final. Bon, bah ouais, bah ce sera le dernier du coup. Ok, ça va enfin être intéressant, c'est le dernier niveau que j'ai fait. Oh non, il y a de la corruption ici et pas qu'un peu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Hey. Ah, il envahit mon précieux jeu, nous devons absolument l'arrêter. Celui-ci n'avait pas l'air d'être un bug ordinaire, non? Restons prudents. Sac personnage. Alors, je vais. J'avoue, je préfère les persos mobiles. Voyons. Je suis prête. Bah, quoique, non, pas Mona. Acheter. Ouais. Et dribble, allez. Je vais aller avec cette team. Ah, le retour du nez. Oh, les bugs. Yeah.
Oh! C'est quoi ça? Ok, ah bah ou alors Wario. Ok. Faites-les tomber. Putain, mais Wario, monsieur muscle, quoi. Esquivez. Hein? Ok. Trouvez son nez. Ah bah alors, il est où le nez? Mort. Ouh, ouh. Putain, mais c'est... Oh. Ok. C'est... Putain, j'ai pas eu le cadeau, c'est dommage. J'ai pas compris. Oh non! Récupérez le diamant. Oh là là! Ok. Et le... Putain, pas de boss encore. Ok. Ok. Putain, Anna, c'est trop chaud en vrai. Bon, j'ai un point de vie. Oh, chez Cricket. Poursuivez-la. Ok. Ok. D'accord, mais et où là? Je vais esquiver quoi? Ouais. Capturez-la. Capturer qui? Ouais. Ok, c'est bon. Trop bien. Non mais c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était?
Ok, cette fois nous t'avons coincé. Oh yeah, toutes les perturbations disparaissent. Hey, qu'allons-nous faire de ce bug géant? Je crois qu'on devrait le laisser tranquille. Il est répugnant et destructeur. Parfait pour mon niveau, quoi. Zivzorp. Hein, voilà qui est étrange. Oh là. Je... Please. Je suis le développeur suprême, celui qui veille à la décider de ce jeu en quelque sorte. En fait, c'est moi qui vous ai aspiré ici. C'est à moi que vous devez toute cette aventure. Quoi? Quoi? C'est quoi cette histoire? Tout le monde sait que c'est moi le patron. Oui. Ah oui! J'ai besoin d'aide. Les bugs envahissent tout, nous n'avons pas d'autre solution. Je les ai fait tous venir. Un grand merci pour nous avoir nettoyé leur pagaille. Pour à présent rentrer, la sortie est juste ici. Ah ah, en route pour la maison, yo! Je vous en prie, revenez jouer quand vous le voulez. Ah, nous en d'ici, vite avant que je me rappelle ce qui m'échappe. Eh, cinématique de fin. D'où venaient tous ces bugs? Attendez voir. Je vais être riche. I have no idea what I'm doing. Comment ça, où sont les autres? Oh! On y retourne! Il y a trois persos à débloquer! Oh, c'est pas fini! Vous avez débloqué les modes variés du mode principal, ok. Ah, ok. Tout mélangé. Ah, ouais. Du coup, est-ce que j'ai débloqué des trucs? Ah, les modes variés. Ah, y'a plein de trucs là. C'est dommage, je pourrais pas tout faire. Faudra que je demande à mon frère de venir une fois. Et du coup, il y a une mission là. Et je sais toujours pas à quoi servent les trucs là. On verra ça plus tard. Je pense pas que je serai. En vrai, je pense pas que je serai un let's play complet du jeu. Je pense que une petite vidéo là, 1h40 sera bien. Ouais. Oh, c'est cool. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le stream. De toute façon, je restream à 20h. Hein, donc voilà. 20h, stream de Majora's Mask. Et je pense que cette. Cette partie-là, bah, je la posterai pour demain, je pense. Puis voilà.
Là, je pense que je continuerai dans mon coin. Je pense pas que ce sera intéressant de me proposer ça en let's play. Hein. Allez, merci à ceux qui sont passés. Et bah, ce soir, pour ceux qui veulent voir Majora's Mask, voilà. Salut, passez une bonne journée.